is miles, but I've walked in straight line. You'll never know what it started to be. Fine. And I'm wasting my young years. It doesn't matter if I'm chasing old ideas. It doesn't matter. Vous venez de travailler votre jument pour le Prédiane, comment vous avez trouvé le travail? Bah écoutez, la pouliche, c'est la première fois que je la travaille le matin, donc c'était sympa de pouvoir sentir des choses différentes que ce qu'on a l'habitude d'avoir avec elle l'après-midi. Mais tous les feux sont au vert, comme je l'ai dit au prince et à monsieur de Royer. On a fait un vrai bon galop sérieux avec des vraies pouliches de groupe et elle a bien tenu sa partie tout le temps. Elle fait exactement ce que je voulais et elle fait bien le tracé, donc c'est l'idéal. Qu'est-ce que vous diriez pour nommer ses principales qualités ? La force tranquille, c'est une pouliche qui est très maniable, qui n'a pas tendance à en faire de trop. Et puis quand on lui demande, elle est vraiment à l'écoute de son jockey, ou de son cavalier en tout cas. Elle n'en fait pas trop, donc elle se préserve bien. C'est une pouliche qui, à mon avis, est idéale pour ce genre de compétition. Une dernière question, vous avez monté beaucoup de bonnes pouliches dans votre carrière, beaucoup, beaucoup même. Comment vous situez celle-là ? Pour l'instant, elle fait partie elle est dans le top 5. Maintenant, comme je ne lui ai jamais demandé vraiment un réel effort, c'est un petit peu comme quand on a gagné avec Zarkava la poule. On avait gagné très facilement, mais sans demander. Ce que j'espère, voilà, c'est que quand on va arriver à 200 mètres du poteau dans le prix de Diane, quand je vais lui demander vraiment de faire son effort, si elle est capable à ce moment-là de se détacher des autres, de faire une fin de course remarquable, on la mettra dans le top 3. Voilà. Merci. Merci. Wow, 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 wow.